Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo, ma troisième vidéo pour Ramadan. Je pensais pas faire la troisième, mais un an avant chaque Ramadan, je fais toujours des recherches pour astuces, idées, juste pour gagner du temps, faire Ramadan. Donc je me dis, pourquoi pas aider d'autres personnes à mon tour. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. On commence par les crêpes salées pour tout simplement me laisser se reposer. Je suis avec le frigo avant de les faire cuire. Alors j'ai mis 300 ml de lait, 300 ml d'eau, 4 œufs, une grosse pincée de sel, 4 cuillères à soupe d'huile et enfin 300 g de farine. Après ça dépend, t'habouha liquide, t'habouha chadar hachouya. Je répète les ingrédients: 300 ml tal hlib, 300 ml tal ma, 4 habbat bayd ou 4 mghar kbar tal zayt ou jusqu'à 300 g tal farine. Deux verres d'eau tiède, une cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère et demie à soupe de sucre. Après, je rajoute 5 cuillères à soupe d'huile et je mélange. On va mettre un verre, deux verres de la farine et le sel, bien sûr. Le sel, et puis c'est tout. Yallah. Pour l'huile, vous pouvez mettre de l'huile d'olive, hein, ou du thym, du romarin, vraiment qui mettent beaucoup les épices aussi. Hein. Pour ne pas chercher ça va vous aider à ne pas gaspiller le mec là, ça va vous aider à ne pas oublier des ingrédients, je ne sais pas où je suis, la crème fraîche, la tomate, le fromage. Donc c'est en plus, je trouve qu'on gagne, on fait des économies. Mais cette chose, bon, je vais vous la mettre en photo avec des comme ça là, puis je te ferai. Donc non, on a la première case, on a les jours de la semaine. Donc enfin, on a le lundi, le mardi, mercredi, Donc la première ligne, les plats, durant la semaine. Donc par exemple, on a le yoma, le lundi, harira, burak viande, mbada tajin zaitoun. La deuxième case, les rahna yel tahta, la deuxième case, ndiro les ingrédients تاعها الحريره واش فيها كاع خضره والبولاك واش حندير فيه لداخل لا فيونداشي ولا نكتمل تحتها
ونزيد لو دوزيام بلا اللي هو طاجين زيتون باش نسحق الزيتون بولي اللحم جي ان ديسير اوسي عندي دي فيرين تاع لا فريز تاع لو سيترون نكتب تحت فريز سيترون كريم فريز كلش باغ اكزومبل نروح دوزيام جور ماردي حريره بوراك جو سي با تاع allez crevettes et on va mettre du poisson dans le four donc on sera avec le houdan on sera avec le riz on sera avec maadnous tout ça vous mettez le quotidien et vous terminez mercredi jeudi vendredi samedi dimanche on met chez référendum vous pouvez faire ça et donc tahta tahta on garde les ingrédients et on tient la semaine et là vous organisez quand le tomate je vais taper une quatre fois donc on sera au moins kilo on bat zama la crème fraîche mais sahqa hach kaa donc metchou hach kaa vous voyez ce que je veux dire donc zama la courgette sahqiha ghir qis deux fois chiri ghir arba habat ma tahitch chiri kilo mbahtou li tarmi parce que fizdet parce que ma khdemtich biha parce que fhamtouni donc de 1 on est organisé pour les plats maqadouch nkhmou chah ndiro de 2 kima rakou tchoufou tqdou exactement wach tsahqou de 3 إلا طيبتي هذاك لو بلا لوندي وقعد لك بزياده دونك مارديا كي حتسخنيه دونك تاع مارديا واش كتحضري مارديا ديكاليه المخرجي دونك كي حتربحي ديجا ان بلا اي جو تروك سي جينيال انا وليت ندير هكذا وليت ما نحبش راجل تاع اسمع شري هذه خصد هذه اي اون ميم طون اون ايكونوميز نديرو على حساب واش نقدروا ناكلو قال يوم كلينا اللحم ناكل شغدواني غير غدوه ناكلو هكذا فهمتوني Je trouve que c'est excellent. Anna, depuis que je fais ça, je trouve que je suis très organisée. Où je perds pas trop mon temps à chercher où je suis. Je perds pas mes ingrédients. Maintenant, mes home, je suis. Donc, ça fait un moment de tâche, ça, je l'avoue. Mais là, j'ai repris. Et c'est excellent. Je vous encourage vraiment à le faire. Petite parenthèse, il y a plein de modèles sur Google, vous pouvez prendre autre chose avec plein de couleurs et tout. Fleftar, vous pouvez prendre Winkane le midi et le soir, parce qu'il y a des colonnes midi, soir, plus courte. Et on a tellement, vous choisissez ce que vous voulez. Alors, on a personnellement mon taille branche bzef. Pourquoi? Parce que j'ai des rames au four, j'ai pas envie de dire au four, j'ai envie de dire hagda. On dit la farce derrière, on va nous mettre un peu de sucre dans donc on met un peu de sucre, ils vont باش ما يتحرقوليش نطيبهم غير شويه باش هذاك النهار يبداو يحمروا فوالا لو نومبر دو كريب جاوني 14 هنا لا 15 راهي طيب اي فوالا سكي مغاز جو بونس كي جوني فوالا 16 واه سي لا ديرنيير دونك كي جو كوم 16 بور لا كونتيتي لا عطيتها لكم فوالا la pâte remet très très bien l'état en moins deux heures de temps de c'est ton malette la table parce qu'on a fait un dame des mini pizzas donc il faut on a un domaine je voulais une dizaine donc c'est largement suffisant je vais les mettre en congélo au congélo pardon alors là on va parler d'un produit qui fait briller la vaisselle surtout qui coule en inox ou la calache à la taille ou la calcahua tout ça donc un hack ma couture le manager épistéri sabot donc je vais utiliser un miroir pour les faire briller mais avant tout je vais utiliser le gel ou le bicarbonate pour nhasdet donc déjà éviter d'acheter des trucs inox surtout quand c'est pas du vrai inox alors prenez un chiffon qdem hatou foko les affaires takon dirou un bol fait chouia khel un peu de vinaigre un peu de bicarbonate le mélange hada il va vous enlever gahadek sdet et ça c'est génial après je prends un vieux chiffon où j'utilise hada miroir et j'essuie avec tout ce qui est toutes les plaques, tout ce que j'ai envie de faire. En bas, vous allez remarquer que ça va briller. Il fait vraiment briller votre vaisselle. Vous allez le voir d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Miroir. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Anna, je ne connaissais pas. Je suis franchement...
شبه نحطو نورمال. ابري فوالا تمسحو هذاك الشيفون ناشف تعاودو تمسحو كاع واش غسلتو هذاك الشيفون ناشف هذا نو ما تقولوش تكسر لي ولا انا نحيد هذيك الاخر باش نقدر نغسلو علاش ما نقعدش باش مانيبيوليه ملاح فوالا فرانشمون توب 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 astuce ça va être comment bien conserver la menthe, persil ou les chiches, coriandre. Donc voilà, bien conserver le nana qui fait chmiche de l'comme longtemps, au moins une semaine. Alors donc à chauffer, on va mettre le nana chiller bien. Donc on coupe le head les tiges, puis chmiche de l'huile, je fais le plaça. Alors, Anaya, vous les lavez au moins trois fois. Je n'ai pas de trap. Vous faites la même chose avec le maïdnos ou la chiche. Après les avoir bien rincés, on va mettre un chiffon propre. Je vais mettre un mleh. Qui est un chiffon mleh? Vous enroulez tout simplement votre serviette propre. Et vous le mettez dans le frigo. Bon, j'aurais aimé vous filmer la même chose pour le persil ou la coriandre. Mais malheureusement, j'en ai plus. Et mais c'est la même chose. Télou, la même chose pour le maïdnous ou le hachich. Vous les rincez bien, vous les séchez. Et vous les mettez derrière, vous les enroulez dans une serviette propre. Oh, dans le frigidaire. Vous allez voir que vous allez pouvoir les garder au moins une semaine, tranquille. Voilà. Je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que je pense qu'elle a une bonne quinzaine de minutes et ça va vous faire long. Donc je vais clôturer Naya. J'espère que je vais te connaître la vidéo. Et faites-moi savoir en commentaire vos astuces, les déormes Touma, si vous faites les choses autrement. Même Touma, vous pouvez me conseiller. Rolouli, si vous voulez que je vous poste des recettes ou là, d'autres astuces, si vous voulez plus de vidéos comme ça, je vous invite à me suivre sur Instagram aussi. Et à vous abonner sur YouTube. Je vous fais de gros bisous et je vous dis saham dankum.